We will work together to make the pie of shared interests even bigger and steer to the direction of common interests and the win-win cooperation with the view of making the military-to-military relationship a booster in the bilateral relations. Ladies and gentlemen, friends, I would like to make best wishes to the 96th anniversary of the founding of PLA, to the sound and steady development of our bilateral and military-to-military relations, to the friendship and the cooperation between our two peoples, and to the health of all the friends present. Thank you, and enjoy the night. Ce soir, nous sommes très heureux d'organiser une réception pour le 96e anniversaire de la Fondation de l'armée chinoise. Nous avons invité des ambassadeurs, des officiers supérieurs des forces armées royales du Maroc. Donc nous avons fêté ensemble la fête du 1er août, fête des forces armées chinoises. Et je pense que l'aspect de coopération militaire fait partie de l'ensemble de coopération entre la Chine et le Maroc. Et c'est la première fois que nous organisons en mode présentiel un événement, d'autant plus que cet événement se tient dans un hôtel d'architecture traditionnelle marocaine. Et en même temps, nous avons le nouvel attaché de défense de l'ambassade de Chine, c'est M. Xia Kolin, qui était en poste en Malaisie et qui est venu prendre sa fonction il y a 5 mois. Et je suis sûr qu'il donnera le meilleur de soi-même pour porter à un niveau plus élevé la coopération sino-marocaine. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion pour faire un aperçu sur la coopération, sur la nouvelle évolution de la coopération entre la Chine et le Maroc. Après la pandémie de COVID-19, nous avons eu la visite au Maroc de M. le Président du Parlement chinois. Il a fait une visite très réussie au Maroc. Nous avons eu aussi la visite au Maroc début juillet, l'autre ministre de l'Agriculture de Chine. Et il a signé avec son homologue marocain un mémorandum d'entente sur les domaines de coopération agricole entre nos deux pays. Côté marocain, nous avons eu les visites en Chine, respectifs de M. le ministre de l'investissement en charge de l'investissement,
et aussi de M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, et aussi de M. le ministre de l'Inclusion économique et de la formation professionnelle. Voilà, nous avons repris des contacts entre les deux parties. Alors, j'aimerais insister sur l'arrivée massive des investisseurs chinois, comme vous le savez sans doute. Nous avons un nombre croissant des entreprises chinoises qui sont venues au Maroc chercher des opportunités d'investissement. Certaines d'entre elles ont déjà signé des mémorandums d'entente et aussi des conventions d'investissement avec le Maroc. Et nos entreprises elles s'attaquent essentiellement au secteur émergent du Maroc, plus précisément dans le domaine énergétique, dans le domaine des voitures électriques. Alors, je souhaiterais que tous ces projets en perspective puissent aboutir au plus vite ou bien dans les années, dans les mois qui viennent. En tout cas, nous avons assisté à une dynamique ascendante dans notre coopération sino-marocaine. Alors, pour l'ambassade de Chine, pour l'ambassadeur, nous allons travailler d'arrache-pied, nous allons travailler en synergie avec les autorités compétentes du Maroc pour pousser en avant davantage notre coopération, ceci dans l'intérêt, bien compris, pour nos deux peuples respectifs. Voilà, merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.